Alors en fait, t'aimerais un petit maquillage très soft, de joli. La première chose, c'est la préparation de la peau. Une crème hydratante. Alors le but du jeu, c'est de vraiment trouver une crème hydratante qui soit adaptée donc à sa peau. Et il faut avoir quelque chose qui hydrate, pas qui graisse. Graisser ne veut pas dire hydrater, d'accord ? Donc c'est important vraiment de rester focus sur ça. Apporter de l'eau à sa peau. Donc toi, avec ton âge, effectivement, ta peau, il n'y a pas de défaut majeur. Et puis elle est tendue, elle est ferme, elle est rebondie. Voilà. Que dire sinon que tu as une peau qui se tient bien. Sympa. Bah, à ton âge, quand même, c'est un peu normal. Oui. Hein? Mais bon, en tout cas, c'est vrai, tu as une bonne qualité de peau. C'est aussi une peau qui est faite pour résister au soleil. Oui. Donc elle est légèrement plus épaisse. Alors toi, pour l'instant, toi, à ton âge, peut-être que tu t'en moques un peu, mais les peaux épaisses vieillissent beaucoup mieux. Ah, ouais. Ah non, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Parce qu'effectivement, quand le derme est beaucoup plus épais, quand la texture est plus épaisse, la peau est un peu plus costaude face aux avaries du temps, les agressions extérieures, etc. Donc, en fin de compte, on a une peau qui est plus résistante. D'accord. Mais ça n'empêche qu'il faut la soigner. Il faut la protéger. Voilà. Et toi, comme tu as quand même une peau qui est assez sèche, il faut vraiment que tu hydrates à fond. Normalement, j'enlève toujours le surplus de la crème, mais toi, je vais te laisser ta peau boire. Parce que le but du jeu, c'est que la peau soit vraiment bien hydratée, comme ça on utilise beaucoup moins de fond de teint. D'accord. D'accord ?